Le PSG fait son deuxième match nul consécutif en championnat, un but partout contre Toulouse. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Toulouse PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, Luis Enrique a décidé de s'en passer des Kylian en première période. Donc, la composition d'équipe était sans Kylian et Ousmane Dembélé. Franchement, sans ces deux joueurs-là, ça manque vraiment de créativité. Ça manque vraiment d'occasion franche. Ça manque vraiment d'efficacité. Franchement, on a vu une équipe du PSG qui fait tourner le ballon, mais qui ne finit pas, qui n'a pas d'occasion franche. Ça me fait un peu penser, ça me fait un peu penser à l'Espagne de Luis Enrique. Cette équipe d'Espagne qui fait tourner le ballon mais qui n'arrive pas à se procurer des occasions. C'était un peu le cas ce soir contre Toulouse, les amis. On a vu une équipe qui faisait tourner le ballon. Certes, il y a du pressing haut, il y a de l'engagement, mais ça ne suffit pas. À un moment donné, tu dois concrétiser les occasions, les amis. Tu dois concrétiser tes occasions. Donc, match nul mérité dans l'ensemble, même comme le penalty de Toulouse fait polémique. Pour moi, il y a penalty. Hein. Pour moi, il y a penalty. On a vu une équipe de Luis Enrique qui, comme à son habitude, a eu de la possession. On parle d'une équipe qui a eu 77% de possession. 77% de possession. C'est énorme, les gars. Mais le petit bémol, c'est que le PSG a seulement cadré 3 tirs. 3 tirs. 3 tirs cadrés. C'est hyper faible. C'est vraiment hyper faible. Certes, ils ont tiré 16 faux buts, mais ils ont seulement cadré 3 tirs. Pendant ce temps, le TFC, c'est 2 tirs cadrés sur 8. 8 tirs, parmi lesquels 2 tirs cadrés. Donc, en termes de tirs cadrés, il n'y a pas tellement de différence entre le TFC et le PSG. Donc, Luis Enrique a du boulot. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le PSG de Luis Enrique va finalement se mettre en marche? Donne-moi ton avis. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.